22h à minuit sur Fun Radio. Bon, et donc Thomas, tu vas nous parler de ton meilleur pote. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que lui, a priori, ça a été des vacances de merde. Alors voilà, bah, faut savoir que, si vous voulez, il sortait avec une fille depuis 3 mois à peu près. Oui. Et il y a 2 semaines de ça, apparemment, la fille est partie avec un autre gars, voilà, ça arrive, avec un autre mec. Oui, bien sûr. Et donc moi, ça fait 2 semaines, là, on passe des fêtes, je lui ramasse la petite cuillère, voilà, je sais pas trop comment m'y prendre, faut le consoler, je sais pas trop comment gérer ça. Donc voilà, c'est pour ça que je suis content de vous avoir ce soir aussi. Bien sûr, parce que ouais. on va régler le problème, bien sûr. Voilà. Bah alors, franchement, je crois pas que tu puisses faire plus que tu ne fais déjà. C'est-à-dire, hein, je sais pas si t'es d'accord, Doc, mais quand on est meilleur pote de quelqu'un qui s'est fait larguer, bah, il suffit juste de lui parler, d'essayer de le réconforter, et puis après. D'être là. Ouais. Juste être présent. Parfois, il n'y a pas de conseils à donner en particulier. Mais juste, voilà, t'es là, tu l'appelles, il t'appelle, il peut te parler. Voilà, tu réponds à ses questions s'il en a. Voilà. Il n'y a pas toujours obligatoirement des solutions à trouver. Oui, il faut dans ces moments-là. Une épaule sur laquelle s'appuyer. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Pleurer dans tes bras. Ouais, voilà, après, il y a des situations qui sont quand même plus compliquées que d'autres. Alors ouais. Pourquoi elle l'a quitté? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est... Bah, apparemment, voilà, elle a rencontré un autre mec. Elle l'a quitté pour ce mec-là, tout simplement. C'est qui? C'est toi? Oui, c'est moi, cet autre mec. Et c'est pour ça que ce soir, je suis un peu embêté. Ah putain, c'est génial. Tu sais quoi? Je le sentais, le truc. Je l'ai senti. Non, mais t'arrêtais. Sinon, j'aurais pas eu besoin. D'accord, ah ok, mais il est pas au courant. Non, il est pas au courant. Oh mais non, c'est pas cool. Non, Thomas. Mais tu l'aimes vraiment cette fille ou c'est juste comme ça? Bah écoutez, je sais pas, c'est compliqué, ça m'est tombé dessus, si vous voulez, avec les fêtes, tout ça, c'était pas prévu comme ça. Moi, j'ai quasiment rien contrôlé dans cette histoire. C'était la meuf de mon pote. Ouais. J'ai rien contrôlé, ouais, putain. Et maintenant, c'est ma meuf, je sais pas ce qui s'est passé. J'étais en elle, je sais pas ce qui s'est passé. À la base, moi, je voulais m'amuser, je vois que ça commence à devenir sérieux avec elle, donc je me dis, voilà, faut que je prévienne mon pote quand même, mais ça va être chaud, vraiment. Bah, c'est ça, choisir entre sa copine et l'amitié avec ton meilleur pote, toi, t'as choisi quoi? J'ai même pas choisi. Arrête de faire la victime. Ah, ça m'énerve. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. T'as dit oui. Voilà. Assume, Thomas. Alors, sauf si elle te l'a présenté en te disant « Mais je suis en train de rompre, c'est fini. » Bon. Mais c'est pas même, ça qu'elle a dit. C'est ton pote, t'étais au courant de ce qui se passe. Tu l'as même dit, je la connais, c'est mon meilleur pote. T'étais au courant. Dans tous les cas, quand ils viennent de rompre, tu te jettes pas sur la meuf de ton pote. Donc, enfin, sur l'ex de ton pote. Jeté, c'est elle qui s'est jetée. Mais toi, t'as dit oui. Voilà, t'as dit oui. Ok, c'est impardonnable ce que t'as fait, Thomas, je te le dis. Moi, on me l'a déjà fait. Raconte. Non, mais raconte. Raconte. Bah, c'était un soir d'été et j'étais enfin avec Marina Goulvestre après avoir galéré pendant 2 ans au collège. Et un jour, je me souviens, j'appelle Marina pour lui demander si je peux passer chez elle. Et là, elle me dit, je peux pas ce soir, je peux pas. Bon, bah, je me demande, et puis j'entends quelqu'un qui ricane derrière et tout. Donc, du coup, j'appelle mon meilleur pote. Et bah, c'était la même voix qui ricanait. Donc, il était avec ma copine. Voilà. Tu vois, donc c'est pour ça, Thomas. Mais c'est encore ton meilleur pote. C'est toujours mon meilleur pote. Non, parce que moi, en plus, j'étais cocu, mais je pardonne derrière, tu sais. C'est le. Hein, t'as aucune fierté en fait. Non mais, putain. Non mais Thomas, Thomas, t'es vraiment un enfoiré, sérieux? C'est quoi? Je sais pas, moi j'ai constat objectif et glacial. Hein. Ok, tu sais quoi Thomas? On va appeler ton meilleur pote et j'espère que tu vas t'en prendre plein la gueule. C'est parti, parti Thomas. J'espère que ça va mal se passer pour toi. C'est dégueulasse ce que t'as fait. Allô? Allô, Étienne? Ouais. Ouais, c'est moi, c'est Thomas. Ouais. Écoute, ce soir, je t'appelle parce qu'il faut que je te dise un truc. Là, on est en terrain neutre et je pense que voilà, ça fait un petit moment que ça dure. Ça fait un petit moment que ça dure. C'est un peu compliqué, je sais pas par où commencer. De quoi tu parles? Tu te souviens, cette fille, Maëlys, là, qui t'a mis mal, là, depuis 2 semaines. Putain, je m'en souviens. Tu te souviens, t'avais quitté pour un autre gars, tout ça, c'était chaud là, c'était chaud pour toi. Ça va, je m'en souviens, c'était deux semaines, deux trois semaines de galère. Ouais, faut que je te dise, frère, en fait voilà, c'est moi l'autre gars, et là ça commence à devenir sérieux entre elle et moi, et je peux pas te le cacher. Attends, quoi, en quoi, fait. Quoi? Là, je t'appelle ce soir, ne me force pas à le répéter, parce que même moi j'ai du mal là, tu vois, ça commence à devenir sérieux, il faut que je te tienne au courant. Arrête, vas-y, c'est pas drôle, bien sûr, c'est pas drôle, frère, par contre, je te jure.
Etienne, écoute-moi là. Moi, je t'appelle dans un seul objectif, c'est que je veux pas sacrifier notre amitié non plus. Après, voilà, c'est vrai que j'ai déconné, mais je commence à développer des vrais sentiments. Non, mais dis-moi que tu rigoles. Mais dis-moi que tu rigoles, pour de bon, là, dis-moi que tu rigoles. Non, Etienne, c'est sérieux, ce soir, je suis là pour te parler. Attends, tu es vraiment en couple avec Maëlys, là? Oui, mais en fait, c'était après... Attends, mais comment ça, en fait? Comment ça? Attends, tu m'expliques. En fait, le mec pour qui est maquillé, c'est toi, en fait. Ça fait deux semaines, je suis tout le temps avec toi, je passe mon temps à te parler d'elle, tu vas me consoler, en fait, c'est toi le type avec qui elle est. Ça serait me prendre pour un fou. Ouais, mais après, je t'avais dit que c'était pas une meuf pour toi. Avant que tu te mettes avec elle, je t'avais dit quoi? Je t'avais dit qu'elle est pas pour toi, cette fille. Mais non, voilà. Mais attends, t'as capoté ou quoi? Une meuf pour moi? Maintenant, on est là. Donc c'était pas une meuf pour moi, mais c'est une meuf pour toi, en fait, ça, tu es en train de me dire. Moi, je voulais pas, mais travail, je voulais pas. Mais tu voulais pas. Waouh, mais. Et dis-toi, si elle n'avait pas fait ça avec moi, elle aurait fait pire avec moi. Mais arrête, je vais te crever. Je te jure, arrête. Etienne, ok, on va se calmer tranquillement. Moi, je t'ai appris. Je te jure que je me prends pour un fou. Je t'ai dit les choses honnêtement, Etienne. Dis-moi maintenant que c'est une blague, sinon je peux te jurer devant Dieu. C'est pas une blague, Etienne. Je peux te jurer devant Dieu que je prends la voiture et je viens, je t'encule maintenant, t'as compris? Je viens, je monte chez toi et je t'encule maintenant, t'as compris? Etienne, on va pas repartir comme ça, Etienne. Je pense que c'est vrai ou c'est non. C'est vrai ou c'est faux? C'est la vérité, Etienne. Je t'appelle pour te dire ça. Ce soir, je t'appelle parce que j'arrive, je vais t'enculer. Qu'est-ce que tu fais sur la vie de ma mère? Etienne, ne raccroche pas. La sodomie ne réglera pas ton problème. Etienne. Allô. Bonsoir. Allô, Etienne. Ouais. Oui, Etienne. Bonsoir, Etienne. Tu es en direct sur Fun Radio, Etienne. Alors, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague, parce que tu pourrais te dire que c'était un canular. Pas du tout. Attends, Thomas. Alors, je vais t'expliquer. Thomas nous a appelé dans l'émission Love in Fun. Nous, voilà, moi je m'appelle Karel, il y a Doc, il est américain. Donc. Je m'en tape complet de ça en vrai. C'est quoi cette histoire? Et Alice, qui est avec nous. Non, mais je te présente tout le monde, c'est normal. Et Thomas nous a appelé dans l'émission. C'est une émission, on se dit tout. Et Thomas était gêné parce qu'il nous a expliqué la situation. Et il nous a dit que voilà, il tenait vachement à votre amitié, mais en même temps, il a succombé à ta chérie. Thomas, tu as appelé, tu me fais passer à la radio pour dire que tu dis ça devant tout le monde. On va tous se faire enculer, j'ai l'impression ce soir. Mais là, on est en terrain, vous êtes complètement fous, vous avez capoté tous. Etienne, c'est pour qu'il trouve plus de courage. Il avait du mal à te le dire. Il t'avait en face, effectivement, tous les jours pour essayer de te rassurer. Il n'a pas réussi à t'en parler. Et puis, à un moment donné, il prend son téléphone, il nous appelle en pensant qu'il allait avoir plus de courage. Plus de courage. Mais là, c'est pas du courage qu'il va trouver. Là, la vie de ma mère, là, c'est moi qui va trouver devant sa porte. Je vais te crever, autrement. Etienne, ça réglera rien. Ça réglera rien de toute façon. Je veux dire, l'histoire avec la fille, elle était terminée. C'est fini. Et toi, c'est ta femme, tu le dis comment? Comment? Et toi, si je viens, je sors avec ta meuf et je fais des beaux yeux devant toi. Tu vas le prendre comment? Il en a plein. On va pas le prendre bien. C'est pas le souci. C'est normal que tu le prennes mal. Ça, on est tout à fait d'accord. Je veux dire, ça, c'est pas le problème. C'est pas bien ce qu'il a fait. Mais maintenant, c'est fait. Voilà. Donc, a priori, en plus, ils ont l'air d'être amoureux l'un de l'autre. Mais qu'est-ce que tu veux y faire? Ils sont amoureux, vous deux. Merde. Bah, écoute, c'est en train de venir. Voilà, ils le sentent. Ils voient bien que c'est pas qu'un coup. Bon. Ça y est, je suis fou. Etienne, moi je suis 100% de ton côté. Oui, mais moi aussi. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? Ouais, moi aussi. Viens, on y va à deux, c'est de mon côté. Viens, on y va à deux. Etienne, franchement, je voudrais bien être avec toi. Viens, on va casser la gueule à Thomas. L'animateur de Fun Radio se déplace à Clermont-Ferrand pour casser la gueule d'un. Viens. Non, Etienne, on va casser la gueule de personne. Par contre, il y a une vraie explication à avoir. Et puis surtout, ils ont été deux dans cette histoire. Cette fille, je sais pas, si tu veux, elle a aussi ses torts. Il n'y a pas que Thomas. Mais attends, mais c'est mon meilleur pote. Je comprends. C'était mon meilleur ami, le type. Il n'est pas censé me tirer un coup comme ça. Ouais, je comprends. Moi aussi, j'ai réagi comme toi quand ça m'est arrivé. Mais après, il y a de quoi. Il y a vraiment de quoi. Tu peux tout à fait ne pas passer outre et puis pas vouloir continuer la relation avec lui. Ça se comprendrait. Maintenant, ça se comprendrait. Tu peux aussi accepter la situation. À un moment donné, elle met fin à la relation avec toi. Elle n'est pas amoureuse de toi. Lui, il est là. A priori, quelque chose a l'air de naître entre eux. C'est comme ça. C'est aussi la vie. C'est rien. Ça n'a rien contre toi. C'est les sentiments qui y sont ou qui n'y sont pas. Et ça, ça ne se décide pas. Ouais, non, mais quand même, il y a un peu de limite à avoir. C'est sûr que Thomas, il n'aurait pas dû le faire. C'est sûr.
Mais c'est vrai, il a raison, Doc. Enfin, Doc, il est très cash, quoi. C'est-à-dire, effectivement, c'est, ça s'est passé, c'est comme ça, il y a des sentiments. Qu'est-ce que tu veux lutter contre ça ? C'est ça. Je veux dire, tu peux lui casser la gueule, ça ne changera rien. Ouais, non, mais maintenant, ce sont des choses qui ne se font pas. Non, c'est vrai. Ouais. Thomas, qu'est-ce que tu veux dire à Étienne ? Bah, écoutez, je veux dire que je suis désolé. Après, si elle n'avait pas fait ça avec moi, elle aurait fait pire avec un autre. Et c'est ce que j'essaie de lui dire. Mais la question, c'est pas de le faire, c'est avec toi qu'il a fait. Il est là le problème. Bah écoute, pas du tout. Bon, écoute Étienne, on va te repasser Thomas un petit peu en antenne, vous allez discuter, on pourra avoir des nouvelles de Thomas et d'Étienne bien sûr, hein, dans l'émission. On est désolé comme ça de commencer 2019 par une mauvaise nouvelle, hein, Étienne, mais voilà ce qui s'est passé. Maintenant, tu connais enfin la vérité sur cette histoire. Thomas, tu raccroches pas, je te repasse Étienne en antenne, ok? Ça va, ok, d'accord. Allez, bon courage les gars. Retrouvez Love in Fun sur Facebook, Instagram, funradio.fr et sur Twitter avec le hashtag Love in Fun. Love in Fun. De 22h à minuit sur Fun Radio.